Salut tout le monde, on est aujourd'hui dans les polders. On est accompagné de Robert qui est là avec nous. Il est représentant de la marque River to Sea et on va découvrir les leurres de cette gamme-là. Alors ce matin, avec Cédric, on va pêcher léger, on va pêcher avec des petits leurres. Moi je suis bien tenté par le crankbait. Cédric m'a dit que lui il était plutôt tenté par les leurres souples. On va aller tester ça et puis cet après-midi, moi je vais partir vers plutôt du pig bait et on va un peu voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Il paraît que ce sont des leurres qui sont exceptionnelles, on va le découvrir. En tout cas, c'est ce que Robert dit. Allez, c'est parti! Premier brochet pour Cédric. Tu as mis la tête dans le bord. Il t'a gobé le leurre, quoi. Ouais, ça va, il est quand même long en fait. Ouais, il est long, hein. Lucky man, hein. Lucky man, Lucky man. Lucky man, oui. Voilà, on disait justement un peu hors vidéo à Robert que Cédric était l'homme chanceux de la pêche au brochet. Et là, il est sous le vent. Il a des couleurs un peu folles, hein, quand même. Et c'est un plus petit leurre. Il a une nage qui zigzag comme ça. Beau brochet pour commencer la journée. Le vent est ouf. Espérons que les brochets le soient aussi. Et voilà, il est reparti. Il se retourne. Il est planté dans le fond, là. Wow. Joli Cédric. Quoi? Ouais, tu dois utiliser un gant, tu risques l'infection et la mort. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai dit que j'allais faire attention, du coup je vais acheter un gant. Bah oui, mais va sur www.fichexplorer.com. Voilà. Donc voilà, moi je vais commencer avec un crankbait, comme je vous l'avais dit. 6,8 cm, c'est un crankbait, il a une bavette carrée, ce qui lui permet de ne pas trop plonger, ce qui est bien pour ici. Parce que ici, dans ces zones d'eau, il y a maximum 1 mètre de fond. Donc, il nous faut des leurres qui ne plongent pas trop. Et on va voir si on attrape du brochet ou de la perche. Sachant que c'est quand même un petit leurre, on est quand même capable d'attraper de la perche. Maintenant, on verra comment on va se débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, la météo, elle est affreuse. Il y a un vent de fou furieux. Et on va voir si on arrive à pêcher et si les brochets sont actifs. Alors, normalement, dans des temps comme aujourd'hui, les brochets sont plutôt actifs, les vents les activent un petit peu, leur donnent un petit peu d'activité. On va voir si c'est le cas. Bon, regardez-moi ce spot de fou. Bon, il y a bien du vent. C'est très compliqué de jeter des petits leurres, parce que là, on pêche avec des petits leurres. Mais bon, on peut aussi prendre des perches, hein, c'est ça qui est cool. Hein. Ici, par exemple, ça peut être un spot à perche. Ah, regardez, j'ai voulu lancer sur la perche, je me retrouve sur l'autre. Ouais. Putain, mon frein, je vais le serrer à mort, mec. Ou alors c'est super lourd, je sais pas. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Il tient le fond. Oh, ouais, il est gros, il est gros. Oh. Putain, viens, il est gros. Big pike, big pike. Ouais, big pike, là. Lève. Tchaa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 a
il en profite que je remonte ma ligne parce que je m'étais fait un peu déchirer mon bas de ligne. Il en profite et il nous sort un deuxième brochet. Un peu plus petit. Big pike. À la traîne, mec, à la traîne. Non, c'est pas un big, c'est pas un big. Il est décroché déjà. Pris à la traîne. On connaît le crankbait pour être un leurre de traîne et je traîne ici en avançant sur le bord et je prends un pike. Voilà, mon but était de rattraper Cédric et d'en même temps pêcher. Ça a marché. Le deuxième, en pêchant à la traîne, le crankbait, ça fonctionne aussi quand on marche. Un plus petit brochet ici. On va remettre ça dans l'eau. Bye bye. Je peux serrer un peu encore mon frein, moi. Un cran. Comme c'est mon nouveau moulinet Rocket, j'ai pas encore beaucoup essayé, donc je dois encore affiner un petit peu le réglage du frein. Mon épuisette repasse devant moi, tellement qu'il y a du vent, c'est génial. Ah bon, il y a du brochet, on va pas se plaindre. Oh. Coucou Cédric. Cédric est en territoire hostile, il est de l'autre côté de la berge. Tu peux pas faire ça, Cédric. Bon, il va chercher son leurre. Et on a l'autorisation parce qu'on est avec le président. On est justement allé manger. Cédric nous fait un dernier. Oh, j'arrive même pas à déposer ma canne au sol. Il est excité celui-là. Ouais, il est excité d'abord. Oh, il est excité à mort. Il est gros, il est très long. Il a des super couleurs. Ok, on allait manger, mais pas tout de suite parce que Cédric nous fait un dinosaure. Hein. Il a une bouche un peu difforme, là c'est un peu space. Bon, Cédric n'a pas lâché ce leurre souple de la matinée. Moi je suis resté au crank. Bah, on a plus ou moins les mêmes résultats, hein. Crank ou leurre souple. On a... Les deux fonctionnent. T'as très bien. Troisième brochet ? Troisième, ouais. Et moi deux, donc on est plus ou moins équivalent. Ciao. Yeah. Regardez Cédric, il est en train de combattre un monstre. Il fait au moins 20 cm. Mini pike, bah, wow, quel saut de fou, bravo Cédric, quelle prise de malade. Donc voilà, c'est l'après-midi, on est dans une tempête de fou furieux, il fait super froid, alors qu'on est déjà dans la période estivale, on comprend pas comment c'est encore possible, on a choisi le mauvais jour pour pêcher. Et pour cet après-midi, moi je vais pêcher au Big Bait, et comme vous pouvez le voir, Cédric il continue à pêcher avec donc le leurre souple. Regardez, c'est un beau petit brochet. Il a des belles couleurs. Il y a un brochet derrière. Il y a un brochet derrière. Est-ce qu'il va le bouffer ou pas? Wow, vous avez vu ça? Ah, décroché! Ah là 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 là. Non. Ah, 5 euros, mec. 5 euros? Ah! 5 euros par terre. Ma journée est faite, Cédric. Ma journée est faite. Oh, raté. Ouais. Il me l'a poussé en surface. Il est derrière. Il est juste derrière de nous. Il a pas envie de me l'attaquer. Je peux peut-être en loter. Toi, tu vas du truc, t'es pas. Ah ouais, voilà. Oh, l'attaque de fou. Oh mon dieu, l'attaque de fou. Il est parti, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il tourbillonne de la mort, mec. Voilà.
Heureusement qu'il est bien piqué parce que... Ah ouais, ah ouais, il y a un trou. T'es rentré dans le trou. T'as de l'eau froide dans... Dans la chaussée, ouais, ouais. Cette attaque de fou furieux. Putain, il avait poussé le leurre en surface. Mais comme quoi, c'est pas des très gros brochets. Et ce leurre, ce leurre m'étonne parce que je pensais qu'il avait pêché profond. Et en fait, il nage super en... près de la surface. Il y a moyen de le faire descendre un petit peu, mais... Il y a moyen de bien jouer dans des zones peu profondes comme ici. Allez, on va aller remettre ça dans l'eau. Putain, quelle sensation de fou qu'il m'a mis là. Hop, tchaka. Je vais le remettre dans l'eau ici. Hop là. Il va repartir de lui-même à travers les roseaux. Regardez, je le laisse faire. Il va se dandiner pour passer. C'est assez dense. Hein. Je sais pas s'il va pousser. En tout cas, il doit pousser pour passer, sinon il passera pas. Il a l'air bien en fait là. Allez, montre-nous comment tu pêches le brochet. Ah, voilà, il a trouvé la sortie maintenant. En fait, il déteste les épuisettes, quoi. Allez, hop, un petit dernier. Wow, putain, ils sont ultra actifs de la mort. Hein. Et bah voilà, le dernier brochet de la journée, Cédric. Yes. Nous sommes égalité. Effectivement. Nous utilisons des pinces pour pouvoir décrocher les brochets en toute sécurité, c'est important. Pensons à nos doigts. Hop là. On dit au revoir. Ah ouais, ça devient long là, il fait froid. Donc on a pêché avec des canabus Garcia aujourd'hui. Donc, donc on a pêché avec des canabus Garcia aujourd'hui. Moi j'ai pêché ce matin avec la Victis 30 grammes. C'est une canne plutôt légère qui permet de pêcher le brochet de, avec des leurres de maximum 30 grammes. Mais qui a combattu un brochet de 82 cm, la Big Mama d'aujourd'hui. Elle n'a pas bronché, j'ai fait mon combat super bien. Et cet après-midi, j'ai pêché avec une canne plutôt typée Big Bay. Donc elle pêche avec des leurres de jusqu'à 100 grammes. C'est la Fantasista Beast. Elle est super bien, elle a des bons ressentis. Par contre, la poignée de combat, elle est trop combat à mon goût. Elle me fait limite mal aux doigts, surtout sur toute une journée de pêche comme ça. Ici, une après-midi, ça passait encore. Et Cédric, lui, il a pêché avec le haut de gamme de chez Abu Garcia. La Rock Super 15-40 grammes. Voilà. Extra fast, vraiment très tactile. Ouais, c'est une canne qui a une résonance ultra forte. Moi, j'ai pêché avec en canal là, l'autre jour à Bruxelles. Et c'était un truc de fou parce que je ressentais exactement tout ce qui se passait sous l'eau au bout de ma ligne. Bon allez, on s'arrête là. On vous dit à la prochaine. C'était Len et Cédric pour la chaîne Fishtick. Ciao. I burn that shit like a major laser, earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking getter, but you know I do it fucking better. And you know I make her fucking wetter than Jaws in the water to restore me weather than